Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 22e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions chez Page d'Encre. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mètres, au 12 rue Olin, chez Déguise Folie. Et à une journée du 1er avril, je vous propose qu'on parle déguisement avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Paul-Éric. Ça va? Ça va et vous? Bah, très bien, merci. En plus il fait beau. Et en plus il fait beau, donc c'est parfait. Dites-nous Clément, Déguise Folie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, Déguise Folie, comme son nom l'indique, du coup, magasin de déguisement. Mm-hmm. Donc moi je suis venu sur Amiens en 2015, donc en septembre 2015, pour ouvrir Déguise Folie, du coup, en centre-ville. Dans l'optique surtout d'ouvrir en fait un magasin de location de déguisement. D'accord. Donc la location de déguisement, c'était un principe qui n'existait plus en fait sur Amiens. Okay. Alors, on le trouvait au plus proche à Flic-Secours. Donc pour les Amiennois, pour le secteur d'Amiens, du coup Amiens Métropole, on ne pouvait plus louer de costumes, uniquement sur de l'achat. Donc le principe c'était de pouvoir venir s'implanter en ville, mais pas en extérieur en fait de la ville. Pas en périphérie, de pouvoir proposer cette location de déguisement, bien sûr, mais pas que la location de déguisement, de faire aussi des déguisements à la vente. On vous suit. Donc, par exemple, ici, selon les thèmes après des soirées, là vous avez des costumes basés sur les personnages, les super-héros notamment. Les super-héros que les enfants adorent, voilà. Il y a Charlie aussi. Et les adultes aussi. Et les adultes. Et les adultes. Là vous allez avoir des déguisements sur le thème personnage, sur les discos. Les discos et les hippies, deux gros thèmes. Retour en arrière. Qui sont très courants. Sur des indiens, sur des religions. Donc c'est ou du second degré la plupart du temps, hein, ou du premier degré, mais c'est très rare. Pour les soirées à thème. Voilà, donc là on est vraiment sur des déguisements humoristiques, des choses comme ça. Adulte. Ouais. Donc là, c'est vrai que le magasin, moi, la location, c'est basé sur l'adulte. À l'achat, par contre, je vais aussi pouvoir proposer des déguisements pour les enfants. Pour les enfants, donc les versions kids. Voilà. Exactement. Ouais. Donc là, notamment la Reine des Neiges. Reine des Neiges, voilà, qui depuis 3 ans, l'idole des petites filles. Ouais. Et les petits garçons, c'est plus ces super-héros, je suppose. Oui, plus ces super-héros, Iron Man, Hulk, les Superman, les Batman, ça a toujours la cote aussi, Batman, Superman, forcément, les Star Wars aussi, beaucoup d'enfants aiment Star Wars. Donc après les déguisements, vous pouvez avoir des accessoires de déguisement. D'accord. Je pense là, par exemple, les petites épées, les sabres pour Star Wars, ouais. Après, vous avez aussi des masques. Les masques et les loups aussi, hein, pour les bals masqués, les soirées masquées, un petit peu plus sérieux du coup. Je vois aussi que les hommes politiques sont bien représentés. Oui, forcément, vous oui. Vous pouvez c'est voir. Toujours dans la version second degré comme on On a notre ami François Fillon, Donald Trump, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen aussi j'ai vu, un peu plus loin. Donc même la politique est dans le magasin. Oui, parce que justement, quand on veut détourner un personnage, toujours en fait sur le second degré et la caricature, à la limite, les plus demandés, ce seront même les politiciens en fait. Là, vous avez même Trump en version latex. Celui-là, oui, il tourne régulièrement, oui. Donc pareil, dans la petite pièce à côté, vous avez pas mal d'accessoires. Vous avez les cabines d'essayage aussi. Donc les gens peuvent essayer hein, les costumes, que ce soit à l'achat ou aussi à la location, et surtout à la location. Parce que forcément, après, il y a toujours cette question sur la taille. Hein. Ah oui, la taille du costume, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est l'avantage, vous voyez, par rapport à Internet, c'est que là, vous pouvez essayer. Avant d'acheter. Exactement. Au moins, vous n'avez pas la mauvaise surprise à la maison de voir c'est trop petit ou c'est pas ce que je pensais. Ou l'avantage du point de vente encore par rapport à Internet. Et on a aussi de quoi se maquiller, je crois, non? Et il y a aussi du maquillage, bien entendu. Donc ça, on les a par ici, à côté des perruques, notamment. Donc surtout un mur de perruques. Donc vous avez ici de quoi nous maquiller et vous avez après bien sûr donc le maquillage qui se situe ici, maquillage donc avec les lentilles aussi hein, qui vont faire partie des dernières finitions. Donc le maquillage, que ce soit de la crème, que ce soit des bombes à cheveux aussi pour les lèvres, donc il y a de quoi oui faire des maquillages ou pour Halloween ou pour le reste de l'année pour des clowns, des choses comme ça. Après, pour la période d'Halloween, c'est une période vraiment exceptionnelle pour moi, puisque déjà, c'est mon plus gros événement dans l'année. Mmh. Donc là, la moitié du magasin, en fait, est destinée pour Halloween. Pour Halloween. Donc, beaucoup plus de maquillage à cette période-là. Du faux sang, du latex, des choses comme ça, des choses qui sont beaucoup demandées à cette période-là. Ouais. Et demain, c'est le 1er avril. Est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller pour faire des farces?
il y a le premier, il y a deux choses même en ce, pour ce week-end. Il y a le 1er avril et c'est le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques aussi. Donc on a aussi bah, donc mes déguisements de lapin. Forcément, vous en trouverez plus là à l'heure actuelle, que ce soit pour la location ou l'achat. On n'a plus de petits lapinous. Par contre, oui, pour le 1er avril, donc au niveau des farces et attrapes, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup depuis hier, forcément. En prévision des petits repas de famille pour dimanche, pour le dimanche de Pâques, avec la petite blague qui va bien. Donc oui, ça, va, ça peut être des bonbons, mais des bonbons forcément, des parfums... pas très bons. Ouais, non, voilà. Donc il y a piment, ail, poisson, savon, pied qui pue, épée. Ce sont les parfums, hein, pour pouvoir parler des bonbons. Vous avez des petits tours de magie aussi pour les enfants qui adorent faire ça, ou des chewing-gums. Vous mettez votre doigt pour attraper un chewing-gum et il vous arrive un cafard sur le doigt. Vous avez des boules puantes, la base aussi des farces à attrape. Donc oui, c'est ces petits farces à attrape qui... sont appréciés pour le 1er avril. Il y a les petites blagues qu'on peut raconter, mais il y a aussi les petites choses qu'on peut faire et qui sont drôles à faire. Bah écoutez, c'est super. Clément, merci beaucoup pour cette présentation. Bah, je vous en prie, avec plaisir. Et à bientôt, du coup. À bientôt, Dodo. Merci à vous d'avoir suivi ce 22e épisode de la série Une semaine à commerce de proximité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.